c'est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants. On estime aujourd'hui que environ 10% des enfants seront affectés par l'asthme au cours de leur vie d'enfant. La deuxième chose, c'est que l'asthme, c'est une maladie qui commence très tôt dans la vie. On estime que 4 enfants sur 5 vont avoir les premiers symptômes de leur asthme avant l'âge de 5 ans. Dernière chose importante, c'est que l'asthme, en fait, est lié à une inflammation qui se produit au niveau des bronches. Et cette inflammation chez les enfants, elle est très souvent associée à une allergie notamment par exemple aux acariens, c'est l'allergie la plus fréquente, mais ça peut aussi être aux poils d'animaux, le chat et le chien notamment, ou encore au pollen, et notamment par exemple au pollen d'arbres comme le bouleau ou au pollen de graminées. Eh bien, ils sont très divers. Celui qui est bien connu, c'est la crise d'asthme. C'est l'enfant qui, tout à coup, est gêné pour respirer. Et cette gêne peut être importante et elle peut donc l'amener à consulter aux urgences, voire à être hospitalisé. Mais les crises ne sont pas le seul symptôme d'asthme. L'enfant qui a un asthme peut être gêné dans sa vie quotidienne. C'est l'enfant, par exemple, qui va tousser facilement quand il pratique une activité physique ou quand il rit par exemple avec ses camarades. C'est l'enfant qui va ressentir une gêne dans sa poitrine également dans sa vie quotidienne, par exemple dans la cour de récréation, là encore quand il joue avec ses camarades ou qu'il pratique une activité sportive. Et c'est un enfant qui peut aussi dire que de temps en temps il sent que sa respiration siffle dans sa poitrine. Et ces symptômes, ils peuvent se produire quel que soit le moment de l'année, mais ils peuvent être déclenchés par certaines situations, par exemple un enfant qui est exposé à une forte quantité de poussière, un enfant qui est exposé à la fumée de tabac ou à la pollution, ou encore un enfant qui pratique un sport qui peut être amené à déclencher ces symptômes. C'est très difficile de dire à des parents ou à un enfant qu'il va guérir de son asthme, parce que globalement, l'asthme, c'est probablement quelque chose qu'on peut garder toute sa vie. Par contre, ce qu'on peut faire, et qu'on peut faire notamment grâce au traitement, c'est contrôler les symptômes d'asthme, empêcher cet enfant d'être gêné par son asthme dans sa vie quotidienne et empêcher cet enfant de faire des crises d'asthme. On a aujourd'hui toute une panoplie de traitements qui sont très efficaces. Ce sont des traitements qui, pour être efficaces, doivent être pris tous les jours par les enfants, et je dirais que le principal médicament de l'asthme, ce sont ce qu'on appelle les corticoïdes inhalés. Ce sont des corticoïdes qui se déposent au niveau des bronches et qui permettent donc de traiter l'inflammation qui est à cet endroit et donc de soulager les symptômes que présente cet enfant. Et puis si cet enfant est amené à être gêné, eh bien on va lui apprendre à utiliser correctement la ventoline. Dans les formes plus sévères d'asthme, on a aujourd'hui également toutes sortes de nouveaux médicaments qui permettent de dire qu'aujourd'hui on peut traiter globalement tous les enfants asthmatiques et leur rendre une vie quasi normale.